Le Niger se dote d'un centre national d'études stratégiques et de sécurité. Le lancement des activités de cet outil de défense, de sécurité et de lutte contre le terrorisme est intervenu lors d'un colloque organisé dans la capitale nigérienne. Le Centre national d'études stratégiques et de sécurité est une institution créée pour répondre aux besoins croissants de connaissances et d'analyse face aux situations devenues de plus en plus complexes, exigeant des décideurs des conduites avisées et éclairées. Avec la situation libyenne, la situation malienne, le cas de Boko Haram, ça a donc un défi sécuritaire énorme depuis 2011. Et autre défi aussi, c'est des défis de trafic divers dans le Sahara et les défis aussi liés au chômage des jeunes. Avec le plus fort taux de natalité, 7,6 enfants par femme et une population qui double tous les 20 ans, le Niger doit pouvoir maîtriser sa démographie et avoir une croissance inclusive. Selon les observateurs, la création de ce centre viendra apporter des solutions aux problèmes qui entravent le développement du pays. Les enjeux qui ont déjà été identifiés ici concernent les questions démographiques, les questions migratoires, l'extrémisme religieux, les questions liées à la sécurité et au développement, et bien d'autres questions qui sont apparues au long des discussions, qui constituent autant de sujets qui constituent des enjeux importants pour notre pays. Le centre sera là pour produire des idées, des analyses qui guideront et qui éclaireront les décisions politiques sur ces sujets importants pour l'avenir de notre pays. Par la création de ce centre, le Niger dispose désormais de ses propres moyens de prévision, d'analyse et de prospective dans le domaine stratégique et sécuritaire. Le Centre national d'études stratégiques et de sécurité vient combler les insuffisances institutionnelles et organisationnelles du pays dans ses capacités à faire face aux défis de développement.